diminuer le temps de ma game. Bon courage Emma, j'espère que ton trappeur sera efficace. Salut Karma 12, comment tu vas? Yo Arkash, c'est la forme. J'espère que tu vas bien Arkash. Et j'aimerais bien que tu viennes d'Arcachon. Ça irait bien avec ton blaze. Arkash d'Arcachon. Salut conjureuse, comment tu vas? Ça faisait quelques jours que je t'avais pas vu. J'espère que tu vas bien conjureuse. Mon taux d'impression sur ma vidéo d'aujourd'hui, 12,9%. C'est grâce à toi ça, hein. Légendaire. Ça va et toi? Très bien Karma, je te remercie mon ami. C'est important d'aller bien. J'espère que tout va bien pour toi conjureuse, ta petite famille, ton petit chaton, parce que je crois que t'es un petit chaton, je dis pas de conneries. Ça se trouve je dis une grosse connerie même pas de chat. C'est Wesker. Est-ce que tu penses que Wesker il a un chat? Moi je suis sûr que Wesker quand il rentre chez lui il a un chat. C'est obligé. J'en suis intimement convaincu. Je vais tenter un brain des enfers. Mais c'est pas dit que ça marche. C'est le brain du non-mouvement. Là normalement, il va se barrer, c'est pas où je suis. Ça s'appelle le brain du non-mouvement. Mon chéri et mon chat vont bien. Ah, parfait, conjureuse. Ça, c'est une bonne nouvelle, tu vois. Oula, ça lag. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est demain l'event? Non, demain, il n'y a pas d'event. Demain, il y aura peut-être, on l'espère tous, la mise à jour du PTB, là. Donc, la mise à jour officielle. Je suis très occupé en ce moment, désolé. Ah, c'est vrai, 12%, trop contente si ça marche. Ben ouais, ça a l'air, en tout cas, conjureuse, au niveau des taux d'impression et tout. Mais après, je sais pas si je fais les meilleures miniatures possibles, hein. Parce que c'est vrai que je fais pas les miniatures à la Mister Beast alors que je devrais faire les mêmes miniatures que Mister Beast, mais bon. Je les fais plus avec un texte quoi. Et c'est trop gentil en tout cas conjureuse et content que toute ta famille va bien. L'événement d'Halloween Karma c'est le 18 octobre. Et son chat il s'appelle Wescas. Un mix entre Wesker et Whiskas. C'est vrai en plus? Ah non tu veux dire le chat de Wesker, moi je crois que tu parlais du chat de conjureuse, je me disais mais what? Salut Saut, t'as passé une bonne après-midi? Ouais très bonne Neko, j'espère que toi aussi. Non, je viens pas d'Arcachon malheureusement, mais tu peux le prononcer Arc, hein. J'ai rajouté le H parce que le pseudo était déjà pris. Ouais, je comprends bien Arcache, mais j'ai envie de t'appeler Arcache. Parce que t'as mis un H et il faut l'assumer. Il faut assumer, tu vois ce que je veux dire? Il faut assumer. Je trouve mes miniatures vachement mieux. Ah bah ça va alors, ça veut dire que je suis dans le bon tempo, c'est cool. Merci encore, conjureuse. Tu m'as bien aidé. Saut, t'as quand même le culot de dire que j'ai dit de la merde. Mais non, mais Babouina, je plaisante. Babouina, il est resté sur le sujet d'il y a 2 heures. C'est pas grave, Babouina, on t'en veut pas, t'inquiète pas. Je rigole, Babouina. Mon chat s'appelle Saijin. Ça veut dire perle de l'univers en coréen. C'est beau. C'est magnifique. Saijin Nekatawa. Je dis Nekatawa, ça se trouve, c'est une insulte, je sais même pas ce que ça veut dire. Faut que j'arrête de dire des mots que je connais pas et que je comprends pas parce que c'est vraiment une couille. Un jour on va me dire mais attention Saut t'as dit une insulte en telle langue. Mais j'en sais rien moi je connais pas. Ah là là la pierre. La pierre sombre qui bloque. La pierre sombre qui bloque. El blocus de la pieros. Ah l'idée est bonne. L'idée excellente. La pierre qui m'a queblo. La pierre qui m'a queblo. La pierre, la pierre. La pierre qui m'a queblo. Oh il a perdu ses lunettes de soleil frérot. Il les a remis vite hein. J'ai jamais vu un mec remettre aussi vite ses lunettes de soleil, c'est impressionnant. Je crois qu'il m'aime pas, je crois qu'il m'aime pas, je crois qu'il m'aime pas. Bon, ce loop est trop dangereux quand t'as pas des dards, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'est comme ça, je vais baisser instant. Si tente le turn là-dessus, ça peut, c'est pas, hein. Ouah, c'était limite. C'était limitless. Je suis dans la D, je suis dans la D, je suis dans la D, je suis dans la D. Ah, il est trop gentil, il a fait le move qu'il fallait surtout pas faire. Venir de l'autre côté pour que je puisse avoir un. Comment dire, pour que je puisse me déplacer, il aurait dû m'enfermer, il m'a pas enfermé. Just accept your face. Vas-y, chope-moi là. Tu dois me gober là. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien joué, mon ami. Ça, c'est bien joué. Sur des... Il répond à mon monologue. Sur des BD, je le trouve pas impressionnant, Wesker. Ouais? Parce qu'il a taille humaine, peut-être pour ça. Tu sais, il est pas vraiment très très grand, quoi. Mais dans Resident Evil, c'est pas la même histoire. Ouais, je connais pas le Wesker de Resident Evil. Tu le détestes, le Wesker conjureuse. Aïe aïe aïe, désolé. Il se prépare pour la Coupe du Monde de rugby, ce Wesker. Bah ouais, mais il a raison. Il a tout à fait raison. Toi ton chat il s'appelle Olaf. Ouais on se demande pourquoi hein. La reine des neiges hein. Yo Electric Dogo. J'espère que tu vas bien. Des fois je me fais plaquer dans le vide. Y'a même pas d'obstacle. Ouais moi aussi ça m'est déjà arrivé t'inquiète hein. Mais bon c'est assez rare.
Ouais, confiture, on a tous capté, hein, on savait déjà, hein, pas besoin de nous le dire. Hein. Ah là là. Ces petits bébés là. Ouais, moi j'ai appelé mon chat Olaf parce que j'aime bien la reine. Moi je l'appelle la princesse des neiges. À chaque fois on me dit c'est pas la princesse, c'est la reine. Rien à foutre. Rien à foutre. C'est la princesse des neiges si j'ai envie, bordel. J'en ai rien à foutre. Boum. Il est chaud lui, hein. Mais il m'en veut, hein. Il y a un truc que j'ai fait de mal, hein, je pense, hein. Il y a quelque chose que j'ai fait de mal, hein. C'est pas possible, hein. Il veut que mon huc. Il est mignon, Olaf. Oui, il était gentil. C'est une bonne map en mode. Bah, contre Wesker, c'est une map plutôt intéressante en tant que survivant. Si le mec s'acharne sur un mec. S'il joue altruiste, ça peut être difficile. Mais s'il s'acharne, s'il s'acharne sur moi, c'est cool. Ouah, il s'est raté, c'est dommage. L'idée est bonne, mais le ratage est pas bon. Il n'est pas content du tout. Pas content du tout. Pas content du tout. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué, ça. C'est bien joué. Oh, dommage. Le pétard était pas bon. En plus, j'aurais préféré qu'il m'accroche sur le ou du milieu que sur celui-là, mais c'est pas grave. It's not grave. Mon pote, il l'appelle Sébastien Chabal. Parce qu'il plaque contre le mur, et ouais, c'est pour ça. Salut, Angerfist, comment tu vas? Moment d'histoire. Olaf est un bongo de neige. Issu d'un dessin animé, film La Reine des Neiges. Oui, tout à fait, Babubina, absolument. Salut, Max Lu. Comment tu vas, Max Lu? J'espère que tu vas bien. Tranquille, conjuré, t'inquiète, hein, ça va bien se passer. Hein. Il en a que pour moi et personne d'autre. Moi et personne d'autre. Il me veut dans sa maison. Pour lui tout seul, il me veut dans sa zombie. Est-ce que je me fais grave ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que je profite de mon coudé? I don't know. J'ai la flemme de profiter de mon coudé. Puis en même temps, j'ai envie d'en profiter. Puis en même temps, je sais pas. Puis en même temps, ça me saoule. Puis en même temps, je sais pas. Puis en même temps, je sais pas. Oh mince, ça va. Oh bah mince, alors va. Bah comment ça se fait? Et la technique pour me retrouver du bon côté. Aïe 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 aïe. Et la technique pour me retrouver du bon techo, hein. C'est beau ça. C'est beau ça. La bonne tech. The good technique. Hop. Et voilà. La double technique pour me retrouver du bon côté. Let's go. Bon, on va mourir, hein. Mais dans le fun et l'amusement. C'est ça qui est important. Je suis mort, hein, quoi qu'il arrive. C'est une certitude certifiée. Mais bon, c'est pas grave, hein. Peut-être je vais faire exprès de mourir sous palette. Pour qu'il hésite à me ramasser. Je pense. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, fais pas le con. Laisse-moi mourir sur ma palette, hein. Je dois mourir sur ma palette. Laisse-moi mourir sur ma palette. Hein. Bah. Bon. Du coup, je vais pas mourir sur cette palette, hein. Tom, attention. Je sens que Tom, il fait des balades un peu spatiales, là. Personne ouvre la porte là-bas, c'est bien dommage. C'est dommage que personne ouvre la porte là-bas, les gars. Parce que là, je peux pas mourir sur ma palette, moi. Oh là là, j'ai de la chance. Y'a personne qui ouvre la porte, les gars. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? Les copains. Les copains. Mais pourquoi personne ouvre? C'est dommage. C'est dommage de pas ouvrir la tupper. Bon, indéfectible. Y'a pas besoin. C'est quand même un loop 5 gen, hein. Salut Sarah34, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut Matika, comment vas-tu? Yo Douf12, j'espère que tu vas bien. Allez, j'allais sous palette, moi. Sous palette, sous papa. Je vais sous palette, sous papa. Il va me ramasser. Je le ressens terriblement. Il va me ramasser. Vas-y, bouge. Voilà, faut que tu bouges, comme ça il va se tromper. Faut que tu bouges systématiquement, comme ça il va se tromper. Là, faut que tu bouges quand il arrive. Parce que si tu bouges, il va grabe toi et pas moi. C'est la stratégie. Allez, viens, on va sous palette. On va sous palette, on va sous palette.
T'as compris qu'on voulait aller sous palette, mon jeune frère. Eh oui, c'est la palette de l'espoir. 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 Par contre, là, Tom, faut que tu te barres de la palette. Parce que sinon, on pourra pas me relever. Donc là, faut que tu te barres de la palette. Et oui, sinon, les gens, quand ils vont vouloir relever, ils vont te relever toi sans faire exprès. Alors que c'est moi qui vais le relever, tu comprends? Et toi, t'as jamais été accroché, donc tu dois partir de la palette. Sauf si tu es indéfectible et que tu as un move de génie en tête. Alors peut-être. Ah, bah c'est bras de fer. Et là, ça aurait été légende. Et il a déjà eu son indé, mais non, quelqu'un l'a relevé. Comme ce week-end, je suis arrivé à Paris, il était 6h du matin, un peu matinal. Ah ouais, Sarah, bah écoute, bon courage. Bon courage à toi. Pas de rélévation pour ce papa. La porte derrière, je sais pas si elle est ouverte. Une fenêtre de tir d'ouverture, merci. Ah, la porte est ouverte là-bas, let's go. On va essayer d'y aller, mais je suis un peu lent. J'ai pas mon dédarde. J'ai que chi. J'ai que chi, certes. Il aggrappe Tom. J'ai open et là Tom, je pense que tu dois pas recover, tu dois ramper jusqu'à la porte. Là Tom, la vérité, tu dois pas recover, voilà. Tu dois pas recover, tu dois ramper. Exactement. Ça forcera le tueur à te ramasser. C'est très bien joué. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait exprès de dire tu dois pas recover. J'ai fait exprès de dire ça. Bonsoir, salut Batman, ça va? Yo Kenzo, comment vas-tu? Salut Areske, le légendaire tier 3, comment tu vas? C'est important d'aller bien. Yo Lorcas 87, ça va et toi? So, ça fait longtemps que tu as pas vu Adele and Trinity? Oui, ça fait quelques jours que je l'ai pas vu, Neko, mais elle a besoin de repos tranquille de son côté. Ça fait déjà 4 heures que Areske est là. Ah bah d'accord, pardon, Areske est 34 72 000. Je croyais que t'étais là depuis 2 minutes. Je suis ultra silencieuse et tout, et pile quand je parle, il me voit, il me vole ma blague. Quelle blague? La blague à Ricover? Bon, je l'ai pas volé, hein. Je l'ai eu parce que ça ressemble à ça, quoi. Là pareil, un SK, il doit pas recover, il doit juste recover. J'adore, je dis n'importe quoi. Là tu dois ramper en fait. Nesca il doit juste ramper hein, pour moi. Pour moi il doit juste péran. Oh là là, skip de fou. Il doit ramper, c'est tout. Il doit ramper puis nous on va bodyblock hein. Ah c'était nul. Putain, je crois que je vais mourir en plus. Aïe. Aïe. Vas-y, je vais y aller quand même. J'ai un footix, hein. Bon, ouais, je crois que je suis mort. Sauf si bodyblock comme des dieux vivants. Là, c'est flash peut-être. Là, c'est flash de dieuvivant.com.fr. Oh, elle est légende, là, c'est flash. Elle est légende. Elle est tellement... Elle est tellement dans un angle de fou. Elle a failli me tuer là, ces flashs carrément. Dans la vraie vie, par contre. C'était beau. J'ai ri quand il s'est étouffé. Bon, j'ai fait exprès. Hein. Enfin, j'ai pas fait exprès de m'étouffer, mais je veux dire, j'ai un peu exagéré quoi. Vous connaissez mon côté taquin. Oula. On dirait Confiture qui parle. Je la vois trop parler comme ça, Confiture. Vous connaissez mon côté un peu taquin. Vas-y, crève, Tom là, vite. Trouve la trappe. Ouais, si t'avais eu atterrissage. Et malheureusement, tu ne sais pas jouer aux jeux vidéo. Non, je rigole. J'adore mettre des pics. Putain, mais t'es même pas capable de sortir. C'est dingue d'être aussi mauvais. Il y avait la porte de l'autre côté. Ouais, Maddy, de ouf. Nesca a trop géré. La CFA, c'était légende. Comment tu vas, Maddy, la star de mon live, VIP, légendaire tier 3, top 2 des gift subs du mois d'octobre, top 1 des sub gifts du mois de septembre. Waouh. J'espère que tu vas bien, Maddy. C'est important, elle est bien. Ouais, c'est ça, Confiture. 100%, tu parles comme ça. GG Wellplay, JL Next One. Un joli 5G loop, hein. La porte de l'autre côté, c'est comment? Bah, il aurait pu aller de l'autre côté, mais bon. Tranquille, il a failli arriver, Tom. Hein. Il a failli arriver, hein. Il a failli réussir.
Tu sais quand elle arrive la faille. Le 11... Le 11 octobre la faille. Le battle pass.